enquête assemblée, on a repris les éléments essentiels du rapport qui vient d'être présenté par Vanina Borromée, qui se résume en une phrase, premier service européen en termes de qualité et d'offres. Moi, je voudrais uniquement reprendre cette idée-là. À l'heure où le domaine de l'aérien, et c'est l'actualité, fait l'objet d'un certain nombre de turbulences, voire de trous d'air monstrueux, puisque des compagnies aériennes qui avaient pignon sur rue ont été purement et simplement liquidées, je voudrais souligner au niveau économique l'intérêt de la gestion publique d'un domaine de l'économie important, voire fondamental pour la Corse, qui est la maîtrise de son service aérien. Et je voudrais surtout, en écho au débat un petit peu noir que nous avons eu ce matin, rappeler qu'il peut y avoir des rayons de lumière, qu'il peut y avoir des raisons d'espérer. Ces raisons d'espérer, moi, je les situe largement dans la gestion publique d'un certain nombre de domaines de l'économie fondamentaux. Le rapport qui nous est présenté et les résultats qui sont présentés aujourd'hui démontrent qu'il y a une possibilité de rentrer dans un cercle vertueux. Cette gestion d'un domaine fondamental de l'économie en est un exemple, de mon point de vue, lumineux.